Dinor, CDF. Attention, là, on grenade. Chapitre 4. La loi de Murphy. Little Italy, 11 février 1945. J'étais un peu trop vite quand j'ai dit le truc. On va recommencer quand même, juste pour être sûr. Allez, on recommence. Juste pour être sûr. Voilà. Donc, démarrage de l'épisode à 1 minute. Chapitre 4. La loi de Murphy. Little Italy, 11 février 1945. Oh merde. En mode peinard, quoi. Eh ben, Joe sait écrire maintenant. Il y a du nouveau pour nous. Très gros truc. Passe chez Freddy ce soir. Viens avec un flingue et des rossignols. D'accord. Donc on a un flingue, je pense. Attention. Ouais, les armes sont interdites ici, donc on a un flingue. Je crois qu'on a encore des rossignols. Je vais dans le frigo. Il n'y a plus rien, qu'on a tout mangé la veille. Puis... Ah, toute la nuit, la touche, elle est restée allumée. Bah, génial. Bah, au moins, il sait que... Utiliser le téléphone. Est-ce qu'on peut utiliser le téléphone? D'accord. Vous n'avez aucun contact à appeler. Le seum. Allez, on met notre jolie veste vitaux. Et on se casse. On doit aller où déjà? On va chez Freddy, je crois. Donc allons au barman chez Freddy. Et puis voyons ce qu'il nous raconte de vous. On va prendre notre voiture. Pour cela. Voilà. Hop. Ah oui, on l'avait sauvagement endommagé, on va la réparer. 275$. Elle est toute neuve. Magnifique, non? Allez, on se casse. Alors, ce que je vous propose, moi, c'est que je me présente. Bah, que je vous salue, les gars, pour commencer, parce que j'ai commencé la vidéo. Je sais même pas celui. Eh bien les gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. C'est Tina CDF. Et on est là pour l'épisode numéro 4 de notre sur Mafia 2. Voilà. Ça va peut-être changer quelque chose dans ma vidéo, mais je m'en fous. Ça va peut-être changer, mais je m'en fous. Allez, c'est parti. Bref. On se retrouve donc chez Freddy. Comme prévu. Où t'étais passé? T'es resté au puits toute la journée? Fous-moi la paix, j'ai bien le droit de me reposer après le boulot d'hier soir, tu comprends pas? Vous buvez quoi, monsieur? Un café. Pour l'instant, j'ai dit pour l'instant. Mais quand Alberto va savoir ça, il va y avoir du sang sur les murs, ça tu peux me croire! Sinon, paraît que t'as pas été à la hauteur hier soir. Bah, j'ai pas eu de chance. Les risques du métier. Eh les gars, relax. On fait un métier risqué. Si ça vous plaît pas, vous pouvez toujours aller travailler comme des cons sur les quais. Pardon Henri, je le charrie un peu, tu vois. Alors pour soir, ça marche toujours le truc dont on a causé hier? On va le savoir tout de suite. Ça fait 2 putains de mois de trop. Je veux mon pognon. Tu me prends pour qui ce connard? Son oncle d'Amérique? Fais-le, maintenant. C'est qui lui? C'est trop tôt pour que je te le présente. Bon écoute... Il y a un type qui doit du fric au patron. Il a emprunté pour ouvrir une bijouterie et il est en retard pour rembourser. On va récupérer le fric ce soir. En bijoux. Plus un bonus pour notre dérangement. Joe, explique-lui. La bijouterie est dans la galerie marchande du centre-ville. Il n'y a pas de garde la nuit. Alors il suffit de forcer la serrure et on est bon. Ça m'a l'air un peu trop simple. Parce que c'est tout simple. Avec toi, faudrait toujours que tout soit super compliqué. Sauf que toi, tu sais même pas changer une ampoule. C'est ça. Fous-toi de ma gueule. J'ai des uniformes d'agents du téléphone pour faire croire qu'on répare une panne. D'accord, j'en suis. Génial, on va les niquer, ces fumiers.
Tout ce qu'on a à faire, c'est attendre qu'il fasse nuit. Le mec. Il s'est même pas changé d'ampoule. 2 heures plus tard. Bon, bah visiblement on va braquer une bijouterie. Génial. Et c'est comme ça qu'on s'était fait pincer pour aller à l'armée, je vous le rappelle. Donc moi je suis pas trop fan. Quoi, avec Derek tu veux dire? Ouais, un sacré numéro hein. T'as fait bosser? Ouais. Quelques gars à mater. C'est pas un boulot pour moi. Ils pressent ces types comme des citrons, comme il l'a fait avec mon père. Bah rien t'obligeait à le faire, il t'a pas forcé à bosser pour lui, hein? Lui non, mais ma mère oui. Arrête de tortiller, tu veux, et sois chic avec Derek. Crois-moi, il a mieux à offrir que de secouer les dockers. Mouais. En tout cas, il a bousillé la santé de notre daron, je vous le rappelle. Et d'ailleurs, il est mort comment, notre père? Je le sais même pas, en fait. Tu crois où? À Indianapolis? Ouais. En pour qui, ma mère? Allez, je t'ai baisé, voilà des... Non mais c'est vrai, comment il est mort là-dedans? Moi personnellement je le sais, parce que voilà, je l'ai fait de l'esprit, mais je veux dire, comment dire? Hé, hey, hey, t'es passé au feu rouge? Mais non, t'inquiète. Ah putain, ça. Mais qu'est-ce que tu fous? Bah quoi, j'ai voulu rentrer dedans. Merde, calme-toi. J'ai voulu rentrer dans le mur, pour voir si ça s'arrachait, mais non. Hop, hop, hop là. Truc classique quoi. Du coup ce bordel. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vite les mecs, parce que les flics ils vont pas tarder. Allez! Putain, Brian O'Neill! Mais c'est quoi ce merdier? Irlandais de mes deux mecs, qu'est-ce que tu fous ici? Barbaro, c'est à moi de te demander ce que tu fous ici! Hé, t'arrives trop tard, chef. On n'a pas laissé grand-chose. Va te faire foutre, c'est chez moi ici! Si tu veux sortir d'ici en un seul morceau, à bout ouais, de la marchandise ouais, tout de ouais, suite! Dis donc, sur l'enseigne dehors, y a pas marqué chez Brian O'Neill. Sinon, je l'aurais plutôt cramé, ça oui. On signale un 10-31 au West Side Mall. Je répète, 10-31, cambriolage. Ici patrouille 54. On y va. Avec les bijoux. Et je te conseille de dégager avant que les flics s'amènent. Ah, oh, merde! Ton merde, Irlandais. Si en vitesse. Oh. Bon, alors, si je comprends bien, on a compris la bijouterie. Il y a un Irlandais qui a défoncé le truc, comme Nico le Belge, quoi. Il y a un Irlandais qui est rentré dans la bijouterie. Qui a voulu... Chourave. Brian, les flics arrivent! Amène-toi! Faut qu'on se tire d'ici! J'aimerais bien. Ok, il y a les flics un peu partout. Chier, il y a les flics! Allez! On défonce la porte! Ah, on doit attendre que Joe défonce la porte. Couvre-moi pendant que j'ouvre la porte! Empêche les flics d'approcher! J'y suis presque! Retiens-les encore un petit peu! Allez, saloperie! Ouvre-toi! Ça y est! Ok, on peut sortir! Allez, vite! Cet enfoiré m'a touché! Aïe! Mais c'est de ouf le flic qui tire! Ah! Police! Vous êtes cerné! Et ta soeur, c'est pas la flic, c'est pas les flics! Je me casse, moi je suis sur le toit! Prenez les escaliers! Suivez Joey, prenez les escaliers! Ok, on prend les escaliers jusqu'où vous en fait? Génial. Chier, on est encore coincé. Allez, rends-toi. T'as aucune chance. Allez, montre-toi, fils de flic. Faut passer par là. C'est notre seule chance. Bouger, il faut passer. T'es baisé ta mère, toi, t'as rien compris. Allez, on se casse. Allez, Vito, remets-toi le cul. T'es dingue. Police, c'est gelé ton truc. On glisse, on est mort. On n'a pas le choix, je vais pas en prison, moi. Tu t'es cassé la gueule en pleine vidéo, frère. C'est dans la boîte. Ah.
Allez! Allez, c'est tendu du slip votre truc là. Moi personnellement je le ferai pas. Viens vite me rejoindre! Tu veux que je t'envoie un carton d'invitation ou quoi? Ils sont là! Feu! Feu? De quoi feu? Merde, fais gaffe! T'as failli tomber! Ouais, je crois que j'ai fait dans mon froc. Mais où ils sont? Ils ont dû passer par là, sergent. Et puis merde, je suis pas payé pour ces conneries. En gros, les osmés quoi. Génial! Par ici! Ça doit déboucher dans la rue! Et où? D'accord. Vas-y, enfonce. Chier, y'a les flics! Et où? Ah, police! Je suis en bas de la rue, on s'en bat les couilles d'eux. Ah non, ils sont en face, ah d'accord. Recharge! Je crois qu'il a un gilet pare-balles. Voilà. Allez Joe, on se casse, dépêche-toi. Bonjour. Ah d'accord. J'ai pas fait gaffe à ma vie et je me suis pas mis à couvert. Je retiens. Excusez-moi. Je vais me concentrer un peu plus. La police vous recherche, changer de vêtements. Ah d'accord. On peut changer. Ah, si. D'accord. Ça doit déboucher dans la rue. Si on change de vêtements, ça j'avais zappé. Si on change de vêtements, on. Ok, pas de soucis. Chier, y'a les flics! Ah, police! Vous êtes cernés! Il s'est pris une balle bien placée, lui. Lui aussi. Mais non, genre n'importe quoi, le mec il m'a mis deux balles quoi. Le mec il m'a mis deux balles à distance comme ça, j'étais caché derrière le truc en plus. Mais arrête. J'aime le mec en plus. C'est un truc de ouf. Ok. Je ne dis rien. On recommence une dernière fois et c'est la dernière celle-là, je vous le promets. Par ici, ça doit déboucher dans la rue. Et j'ai bientôt plus de balles. Je sais même pas qu'on veut pour recharger. Chier, y'a les flics! Tu sais quoi, je vais rester planqué là. Police! Vous êtes cerné! Voilà, je suis de ouf qu'il a fait le pauvre. Parle-moi comme ça, toi, sinon je te buzz. M'en fous, moi je reste là. Non, je dois passer. J'y suis presque. Retiens-les encore un petit peu. Ça y est. Ok, on peut sortir. Allez, vite. Il en reste un. Hop, on se casse. Vous avez dit que c'était la dernière fois. Y'a plus de flics là, si? Henri voudra jamais croire une histoire pareille. Putain d'Irlandais. Allez. Le bug. Bref, on est emmerdé par des Irlandais qui vont casser les couilles. Elles sont arrêtées. Il est en veine, l'Irlandais. Alors, c'était qui ce gars? Ryan O'Neill, un taré d'Irlandais. Il est pas fut-fut, c'est plutôt un cogneur. Je me disais aussi, il avait pas l'air d'un prix Nobel. Chier, les flics, bouge, t'es dans la lumière, merde. Allez. Vas-y, donne-moi ton sac, moi je m'occupe des bijoux. D'accord, ouais, on se voit à l'appart. Et te fais pas prendre en y allant.
Génial. Donc maintenant... Oula, à l'aise. Ouh, je me suis fait 1000$ quand même. On va attendre que ça sauvegarde. Et... c'est un cul-de-sac. Alors, on doit aller là. C'est le prochain point où on doit s'arrêter. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on court. Jusque là, pas. Ça, il n'y a que ce qu'à faire, donc... courir pour courir. Autant courir, quoi. Il y a un clochard, là. Attendez, on va faire un truc, on va accrocher cette caisse. Oh, la voiture de ouf qui est trop dure à voler. Ça doit être la grosse merde cette voiture. Alors là, on doit respecter les limites de vitesse. Parce que si on respecte pas, on se fait griller direct. Oh là là, trop voiture de flics sur la ligne continue, quoi. Faut rater, quoi. Bonjour. Non, non, c'est trop moche ça, monsieur. C'est quoi ça? Vous sentez la doublure? C'est de la soie. C'est de la soie? Arrête. Oh là là, la classe! Vas-y, je prends ça direct. Et je me casse. On fait quoi? On fait ce que je pense ou pas? Non mais quel culot! Oh papa. Tu es pas pitié. Comment c'est trop facile de voler un truc ici. Bah je sais pas qu'est-ce qu'on fait là. On va pas aller à pied quand même. Arrête. Arrête de jusqu'où on doit aller. Mais t'es un ouf toi. On va pas aller à pied. En fait, j'ai laissé la voiture voler là-bas. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va à pied. Pas le choc, quoi. Au moins qu'on arrive à crocheter celle-là assez rapidement. Bah, génial. Possible vol de voiture. Piste de pute. Merci. Flagrant délit de vol de véhicule, poursuivant suspect. Stop! Ah! Vas-y, c'est bon, je m'arrête. Non, je m'arrête. Ben non, je me casse. Oh, fils de... Ah, moi je te buzz. Bon, pour qui, là, le flic? Parle-moi avec moi. On klaxonne le flic. Mort de rire. Ça sert à rien de garder cette bagnole, on va se faire niquer direct. Putain... Genre j'ai que ça qu'à faire quoi. Bon désolé hein, mais là je suis à patte. J'ai pas d'autre choix que de... Sors de là du con. Ouais, donne-moi ton taxi. Oh non, il va tous nous tuer. Il va tous nous tuer, mort de rire. Bref, on doit aller à l'appart de Joe maintenant. Et puis je sais pas ce qu'on va faire. Est-ce que... Non, je vais attendre que l'épisode soit terminé maintenant. Ça m'étonnerait. Après, le temps des chapitres
varie selon bah selon le temps de jeu. Après je sais pas du tout combien de temps ça fait. Il y a des fois ça peut varier jusque parce que je vous avais dit en fait un chapitre est entre 20 et 30 minutes de base. Je vous ai même dit des fois de 15 à 20 minutes, mais ça c'est pour le premier chapitre. Après pour le deuxième chapitre c'était de 30 à 40, et là pour le troisième chapitre ça a été de que je dis pas de bêtises, de 50 à 60 minutes pratiquement. Donc voilà, je veux dire ça dépend des chapitres. Je sais pas du tout combien de temps. Il y a des fois des chapitres qui sont très longs, il y a des fois qui sont très courts. Je fais selon les chapitres. Donc excusez-moi d'avance si jamais ça vous emmerde. Mais au pire, regardez la vidéo en plusieurs fois. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder d'un coup. Parce que c'est vrai qu'une heure de vidéo, voilà quoi, je veux dire. À part si vraiment vous êtes motivé, quoi. Mais sinon, c'est vrai que c'est très long, quoi. Bref, on arrive chez Joe. Donc actuellement, on va pouvoir éventuellement discuter avec lui. De notre nouveau costard, par exemple. On la casse. On ferme la porte. Hop là. Et puis, je pense que... Ouais, on va directement aller se piéter. Donc à mon avis, le chapitre est terminé maintenant. Mais justement, je sais pas. On verra ça dans quelques instants. Donc je vous dis quand même au revoir au cas où. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez plu, je vous propose de mettre un petit pouce vert, un petit commentaire pour donner votre avis dans l'espace commentaire éventuellement. N'hésitez pas à visiter mon Facebook, mon Twitter, à me suivre dessus éventuellement et à visiter mon site internet. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde.